Aujourd'hui, j'ai rêvé qu'il marchait avec Cendrillon et puis Ariel. Princesse, t'as queue de poisson là. Je sais, c'est bizarre. C'est pour ça que aujourd'hui, on va préparer le brochet. Et puis, pour comprendre mon rêve là, on va regarder Princesse là. Rien, celle-là. C'est elle qui a queue de poisson là. Ne commencez pas à me dire oui, il y a beaucoup de viande, c'est gâchis. C'est périmé. Mais on va manger. Donc, du coup, je vais découper pour congeler le reste. Vous là, en France là, deux poivrons là, ça m'a coûté 2000 francs. 2000 francs. Mon papa m'a insulté. On a besoin de tomates et puis oignons. Poivron là, vous coupez comme ça. Hein. Bon, oignon là, vous coupez ça comme ça. Tomates aussi, c'est la même chose. Vous coupez en 3 et puis au milieu. Vous voyez, non, ici, il fait 4 par brochette. Vous mettez moutarde, vous ajoutez magie poulet. Il n'y a pas donné mac ici là. Tu ajoutes sel. Tu ajoutes 7 épices. Va regarder sur internet, ils vont te dire c'est quoi. Tu ajoutes vinaigre, huile. Tu mets ta viande et puis tu commences à mélanger. Fais attention quand tu mélanges à cause d'oignons. Tu peux commencer à brocher ou simplement tu peux mettre au frigo. Quelqu'un qui pleure à cause de Disney. Ça l'a regardé. Après pratiquement 1 heure, 2 heures, on va brocher. Ramadan fait des miracles. Hein? Non, je vais pas manger tout. Je vais congeler une partie. Vous pouvez manger ça à chicken ou bien pain. Bon appétit. Merci.